un grand artiste, un monument lui-même. Et l'humoriste Finkeldi, un grand star qui contribuait beaucoup à la musique locale et qui pendant tout son carrière fait en sorte pour qu'il lève le drapeau, pour qu'il fasse fierté le drapeau. Et je dis si M. Gatti Piking est un patrimoine mondial décrété par l'UNESCO, il y a aussi la contribution du Tonton Michel et plusieurs des autres artistes. Alors, c'est chapeau à Tonton Michel, chapeau à mon capitaine, parce que pour nous, c'est un exemple à suivre. Hein, et surtout, pas oublier que Tonton Michel fabrique ce ban raban, tout ça. Et nous espérons que ce ban enfants ou ban les autres du monde qui n'a pas l'envie continuer à fabriquer nos raban traditionnels. Vous faites quand le nom même Michel Legris est remplacé par mon capitaine. Et ce qui nous a retenu à côté de ça, Dimoun là, quand Dimoun est Michel Legris, mon capitaine, c'est l'authenticité. Je vous dis, en grand l'instance comme à l'UNESCO, comme à l'ONU, et prend en considération tout ce qu'ils nous appellent patrimoine tangible et intangible. Et pour nous, Maurice, Michel Legris, fin rentre dans sa résiste là, il peut reposer au panthéon des grands artistes. Mais seulement, ça va de grand l'instance là, à travers ben, l'instance qui représente Zut à Maurice, ils prennent en considération que Michel Legris, désormais, il rentre dans le patrimoine, dépasse sur ben accessoire, dépasse sur ben texte, dépasse sur ben l'expression même musicale, et dépasse sur façon même d'être. La nation mauricienne finit à prendre de la mort de Michel Legris avec choc, un grand chagrin. Il descend dans le pays, c'était un grand artiste, un grand mauricien. Et aujourd'hui, dans son amour, nous faisons penser toujours qui place la société mauricienne gardée pour un artiste et qui manière nous commémore la mémoire d'un grand river qui quitte le pays. Donc la tâche qui attend maintenant la société mauricienne, c'est reconnaître correctement la contribution de Michel Legris au développement de la société mauricienne, au développement de la culture mauricienne, et faire de sorte que le pays, le gouvernement, l'État reconnaissent et commémorent ce mémoire.